Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsuji Niro et bienvenue, chers amis, bienvenue pour votre second épisode de ce délicieux petit jeu, My Memory of Earth. Très très joliment réalisé, le graphisme, ça fait très BD, voilà, j'adore, sans déconner, j'adore, et je suis obligé de vous attendre pour y jouer. Voilà, ça n'arriverait pas si j'avais Twitch, je le ferais d'un coup, mais non, voilà, et du coup, donc on doit... Ah oui, c'est vrai, alors c'est l'anniversaire apparemment de la petite, et nous devons aller chercher un gâteau à la Commandant Tour, directement chez les Chleux. Voilà, j'ai très envie de dire, est-ce que ça pue pas un peu du cul, surtout que le gamin, lui, il était recherché. Alors, on va voir, non, c'est interdit. Change, ouais, ah. Non, bon, bah c'est raté à ça. Il faut qu'on attende qu'une voiture arrive et qu'on se cache derrière. Doucement, voilà. Donc on entre dans une base militaire allemande, ce qui semble être un occupant pas très très sympathique, avons-le nous. Alors je... Ah la mauvaise idée. J'ai pas du tout exploré le reste. Ah bah bravo, là maintenant je suis inquiet. Donc je rappelle que c'est... Alors ils sont pas frères et sœurs, mais ils se sont trouvés tout simplement. Lui par contre faut pas qu'il me voie. Je peux aller là. Mais ça sert pas à grand chose. Oh non, non, monte. Il faut pas qu'il me voie. Et je rappelle que c'est un puzzle game. Donc on va voir. Donc ils ont coincé la porte du machin et ça les fait bien marrer. Oh dis donc, c'est drôle. On a des militaires aguerris. On va faire des blagues dans le genre. Le tank. Non, je ne peux pas aller là. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ce canon pénis? Non, je viens de me faire prendre. Je viens de me faire prendre parce que j'ai lâché B. Who? Tcha. Je sais pas, c'est vrai. Oh là, ça pue du cul. Non, s'il est dans ma direction, c'est pas la peine. S'il est dans ma direction, c'est absolument pas la peine. Non. Ouf. Non, ils vont me voir. Je prends pas le risque. On va essayer de la jouer safe. Oh, mais c'est pas vrai. Autant pour moi, chers amis, autant pour moi, le jeu devient... Putain, puis il me voit de loin en plus, hein. Je peux pas aller par là, hein. Malgré leur casque de chleux et leur petite cervelle, ils arrivent quand même à me voir. Ouh. Donc il y a des mitrailleuses très très lourdes, des trucs qui font un carnage. Et celui-là il dort, la chance. Pourtant il faut pas le réveiller. Il y a des fusils, il y a du matos mon gars, bon bah c'est peut-être pas la peine de sneak là, mais... Oh, genre c'est un officier. Il a un gâteau. Il y a un code. Bon, autant dire que je n'ai pas le code. On est sur le toit.
Donc il faut que je retrouve ma petite sœur et il faut que je prenne le gâteau et après il va falloir sortir de là. Un camion. Des médailles. Donc... Donc là, il y a deux médailles. Là, il y en a trois. Il y en a une. Donc je dirais 7, 2, 6. Je dirais 7 de 6, mais... C'est pas la peine de le refaire, oui. On est d'accord, 7 de 6, mais... Nia. Ah bah il n'y a que trois codes, donc je pense que je me disais il m'en manque un. Ah bah super, elle est là. Ah, tout ça pour lui piquer un morceau de gâteau. Oh non, les cheleux. On s'est fait prendre. Rien ne se passe comme prévu. Mais par la police sans qu'elle puisse rien faire. Oh. Mettez en place une ligne de défense d'envahisseurs. Ah non, c'est même pas eux les méchants. À venir me rescuer. Mais c'est pas vrai, c'est même pas eux les méchants en plus, il y a des robots qui viennent attaquer les... Non, cela ne se passera pas comme ça. Oui, j'oubliais, je ne peux pas courir, hein. Attends une minute. Oui, non, alors là j'ai fait un peu de la mode. Oui, descends. Non, pousse! Pousse la caisse, ma poupette. Oui, non, tu. Ça n'est pas dangereux du tout. Attends. Cours vers le fossé pour le franchir. Attends, c'était sur B pour courir? Oui, c'était sur B. Donc, ah, j'imagine... Ouais, à mon avis, il faut juste pas se faire brûler. Mais son casque est rouge, donc ça doit... Oui, en gros, quand c'est rouge, tu passes pas, quoi. Il l'emmène ici, bande de monstres. Je peux pas sauter par là? Ah, le... Ah, là-haut, là, ah bah là-haut. Attends. Est-ce que c'est l'autre bouton qui est là en bas? Oui, c'est ça. Tout ça pour un gâteau aussi, les enfants, hein, vous faites de la mode. Oui, mais... Ils ne me laisseront pas passer. Ils en ont rien à carrer. Ok, ils en ont rien, tout va bien.
Ils l'ont mis en prison. C'est quand même des chleux, hein. Ok, d'accord, il y a un numéro de téléphone à trouver. À mon avis, il faudra l'appeler. Il faudrait appeler le gardien pour qu'il me laisse. Oui, il me laisse passer, tiens. Tiens, une photo de Fritz! C'est des clés que tu as, toi? C'est un genre de clé. Pas touché, hein, n'est-ce pas? Par contre, 294. Cinq. Je vais essayer de voir ce qu'il y a là-haut, vite fait. Il faut la clé, d'accord, c'est lui qui doit l'avoir, cette clé. On avait dit 294, hein, avec ma mémoire de poisson rouge. Oh là, ces vieux téléphones à cadran. Ok, heureux, chers amis. Pardonnez-moi, j'ai eu un tout petit moment de flottement où j'ai essayé bien naïvement de téléphoner là au-dessus pour faire venir le garde au téléphone et essayer d'aller vite fait chez lui, lui piquer la clé ou alors appeler le 705, mais évidemment, cela ne marche pas. J'ai découvert un truc. Oui, c'est un peu logique, mais il faut changer de personnage, tout simplement. Voilà, faut être un minimum intelligent. Et ne surtout pas oublier, toujours se rappeler que faut changer de personnage. Voilà, tu prends le petit garçon, tu fais le bordel, et la petite fille, elle vole les clopes. Pendant ce temps-là. Donc, on avait dit 294, hein, on est d'accord. Tiens! Allez. Parce que j'ignore si je dois aller lui donner les clopes ou si je dois les poser quelque part. Alors il veut ses clopes. Tu veux des clopes? Tiens, voilà. Bon bah il suffit que je te les donne. C'est le petit garçon qui va devoir aller. 705, c'est le petit garçon qui va devoir aller lui voler les clés. C'est lui qui peut sneak, qui peut faire le furtif. Cours! Cours, petite poulette! Bébé, 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 bébé! On court! Allez, 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 magne-toi le cul! Oh, c'est bon, ça marche! Ouais, non, tout va bien, j'ai envie de dire. Ouais, non, par contre, lâche-moi la main, c'est gênant à force. Donc, le sneak, c'est sur B, hein. Tiens, 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 tiens.
Ah ouais. C'est bien ce qu'il fallait faire. Ce serait con quand même de se faire prendre juste maintenant. Oh. Par contre, il y a un truc électrique, il y a un... Et... Oui, non, mais c'est... Alors, je fais n'importe quoi, mais j'étais coincé là. C'est chiant qu'ils ne passent pas chacun... Ça, c'est débile aussi. J'ai compris, il faut la pousser tout simplement. Wow, allez, allez, prends la main du petit frère. Cours, cours, poulette. Ah, c'est pas vrai, il faut vraiment être très très rapide sur les changements. Hein. Il faut vraiment être très très rapide sur les changements. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non! Il faut que je change, il faut que ce soit elle qui court parce que... Oh là là, il... c'est stressant ces sirènes, hein. C'est super stressant en fait. Allez, à chaque fois il faut appuyer là-dessus. Allez, monte, monte ton cul, monte gamine, monte! J'arrête pas de... Oh, cette... Ce joystick, je mâche le joystick, je mâche le joystick, chers amis. Allez, en haut et encore en haut. Voilà, elle est le cours, elle est le cours. Comment on fait? Ouf. Photo! Génial! On a raté la photo, elle est pas contente, elle demande au divorce. On a gardé la photo? Amazing! It was so funny getting caught on camera like that in just that moment. Bursting into that poor couple's wedding photo shoot. It froze that instant forever. It was our happiest moment, right before happiest everything moment. Changed. Sirens wailed and planes crammed the skies with bon, bah, a c'est la guerre. Noise. The Robot King's army had arrived Robot and bombing Kings. Began. Who knew that war could start so quickly and so horribly? So horrible. Bon, bah, apparemment, avec les cheveux là, c'était la paix. Maintenant, ça va être la guerre. Bon, bah, on rentre à la maison. Oh. Ça pue du cul. J'ai envie de dire, on va se manier un petit peu. C'est des bunkers? C'est des bunkers. Attends, 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 attends. Non, 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 non. On se tient pas par la main. On y va. Même lui, il est trop lourd. Alors, si lui, il est trop lourd, je fais quoi? Il faut que elle passe, en fait. En courant. Non, arrête de lui tenir la main. Peut-être en courant, comme ça. Je fais quoi? On n'a qu'à mourir tous les deux, comme ça sera fait. Ou alors faut pas du tout courir. Ah, faut se... Ah, d'accord, bon. Faut sneak et faut y aller tout doucement. Il faut y aller à deux?
Tu vas me dire qu'il faut y aller à deux. C'est un peu un non-sens, hein, j'ai envie de dire. Parce que si en courant avec un seul enfant, ça va pas. Si en courant avec un seul enfant, ça va pas. Il fallait courir là. Ok, fallait courir à mon avis. Oh là 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 là. C'est... les règles sont... Voilà. Oh, c'est ridicule, pardon. Pardon, chers amis, c'est ridicule, c'est... Ok. Les règles sont terriblement étranges. Voilà, on est descendu. Cours. Non, je vais essayer de courir. Non, mais je le sais en plus. Je le sais qu'il faut sneak, mais... Mais tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, allez, on essaye. Vous avez vu que même si je suis au bord... Non, mais on s'est pris des cailloux sur la tronche, en fait. D'accord. C'est compliqué ici, hein. Ici, c'est compliqué. Je vous prie de m'excuser, c'est compliqué. D'accord, faut faire attention aux planches qui tombent. Là, là, non, ça va, ça ne tombe pas sur la tronche. Le merdier est là-haut. Il faut que ce soit elle qui court. Mais non, mais pourquoi t'es tombé, toi? Non, il faut juste qu'elle l'entraîne, j'oubliais, c'est pas la peine de se séparer. C'est pas la peine de se séparer, il faut qu'elle court. C'est un peu... C'est bon. C'est compliqué à prendre en main, je... Oh, les cailloux, les cailloux, les cailloux. Les cailloux, les cailloux. Saloperie de cailloux. Faut alterner rapidité et ouf. Bon, apparemment il y a un bunker anti-bombe. Ouais, et l'ascenseur est foireux. Qu'est-ce que je fais? Eh, mercredi. Bon, eh ben, on a encore été séparés. Est-ce que ça te fait de la lumière, petit haut? Ouais, tant qu'il tourne, ça fait de la lumière. C'est une bobine. T'as peur? Appuie sur LB pour... D'accord. Oui, d'accord, oui, on y va, on passe, poulette. Ouais, j'imagine le mécanisme, tout ça. Allez, bricoleuse du dimanche. Alors, est-ce que non? Ah oui, oh là, oh là, oh là, oh là, oh, de sneak, on sneak, on sneak, on sneak. Oui, mais du coup, non, parce que si maintenant je la vois plus, elle. Oui, on passe. On... Ta sœur, elle est où ta sœur? Non, il faut que tu la vois, d'accord. Tu dois la voir.
Ouh, celui-là, il a pas l'air gentil. C'est une bombe. C'est une foutue bombe. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Je ne peux pas passer... si, je peux. T'as pris l'image? Non, t'as pas pris l'image. Je peux descendre là. Puisqu'elle ne monte pas, c'est moi qui descends. Allez, allez, pompe, pompe, pompe. Je peux pas descendre ici. Ouais, non mais je peux pas descendre ici, mais je fais quoi, je fais où et... Oui, bah c'est par là. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc il faut laisser le bonhomme ici. Reste là mon bonhomme pendant que je vais... Huh. Non, juste un poil plus haut. Oh super, on a de la lumière. Oui, non, tombe pas, petiote. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces machines steampunk absolument partout? Du coup, lui, il a un fil. Ah oui, c'est vrai, il faut les aveugler. C'est le petit qui a ça, hein. Non, non, il faudrait que tu passes. Et... Ok. Du coup, comme je l'ai aveuglé, je peux passer. Prends la main de ta sœur. What the... Ah, fais chier. Ouais, on est à l'abri. Tiens, ferme ça. Ah oui, il faut vous aider. Il faut... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y en a deux, en fait. Voilà, espérons que ce bunker est fait pour que vous surviviez longtemps, les petits. Oh là là, la guerre nucléaire. I tried to keep up her spirits. Everything would be fine. We'd survive. Hmm. Her grandpa would be okay. Grandpa would be okay. To save the cake. We could hear the noise of bombs. The city was under siege by a merciless enemy. Ils sont mignons. But eventually it became quiet. What would we find up there? Donc c'est devenu silencieux. Qu'allons-nous trouver là-haut? Il faut qu'on remonte tout de suite. On remonte. Grand-père et la maison. Est-ce qu'ils vont bien? Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Pour vous.
vous spoiler un petit peu. La photo, ça normalement on prend. Bon, donc on est d'accord, c'est la guerre, hein. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette jolie petite vidéo, j'ai envie de dire, ce joli petit jeu. Vraiment, je trouve magnifique. Je pense que je vais en faire d'autres. Les mécaniques, voilà, me semblent pas tout de suite évidentes. Pardon si je rate des choses, mais le jeu est tellement beau et tellement poétique. Je serais très envie de faire la suite, voilà. Gros pouce bleu, gros abonnement, des bisous, tchou bye bye, et à la prochaine. Abonnez-vous pour pas rater la suite, hein, justement, du coup. Parce que voilà, c'est important de voir la suite. Allez, tchou tchou bye bye, à la prochaine.